Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Petit café, je vous prie. Voilà. Potion Craft. Épisode 8, hein. J'espère que vous êtes bien posé, hein. Ah, on est remonté à 34 de réputation. Et mais je crois que le jeu nous demande toujours de faire une potion triple effet, c'est ça? Ah non, c'est réparer la machine alchimique. Ok, donc on est toujours au même problème de... alors non, c'est plus les problèmes de ressources pour se déplacer, bien qu'il y a toujours, je crois, le problème de ressources pour se déplacer. Là, il faut de l'argent. Et pour ça, faut pas tomber sur le... Non. Sinon, t'as plus d'argent, en fait. Donc, vous les extrayez en personne. Avec des frères, ensemble, on est plus fort. On creuse de longs tunnels, on combat des monstres. C'est trop bien, la vie d'un nain. De la pyrite tellurique, il en a une. Bon, ça se négocie, bro. Non, on se calme. Tranquille, ça va, la couronne, le roi, l'abbesse, la reine, Rouya. Voilà. Bisous, ma gueule. À la prochaine. Oh, j'aurais pu essayer de te vendre ma potion chelou, mais je crois qu'elle vaut zéro. Terminé. Bonne journée, monsieur. Et j'ai besoin d'une potion de soin. Bon, moi, j'aime ce monsieur qui a le mérite d'être très clair sur ses intentions. Je peux en faire quelques-unes des potions de soin, quand même. Hein. Pouette. Oui, petite négoce, hein. Non, vas-y, c'est bien, ouais. Parlons couronne, royaume, tout ça, voilà. Ah, mes souhaits. Ah, mes souhaits, YouTube, je vous dis. Oh, vous avez des potions de soins, hein. Je vais en prendre un flacon juste pour l'avoir à disposition, au cas où une potion faible pourrait m'aider à résoudre cette situation délicate. Ah, il veut une potion à chier? On va aller te la faire, ta potion spéciale à chier. Ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir. C'est tellement improbable que t'as un mec qui vienne te voir et dire « Alors, s'il vous plaît, il me faudrait vraiment une potion, genre... » Genre, vous voyez, vraiment une merde que personne voudrait vous acheter. Oui. Regarde, hop. Un petit truc de Romain, là. Voilà. Oula. Pfff. Ah ça, on va encore se régaler avec ma souris, hein. Je vous garantis, hein. Un jour ça ira mieux, hein. Un jour je serai riche, je vous ouvrirai un Tipeee juste pour une souris, hein. Ça va se passer comme ça, hein. Pitié, offrez-moi une souris, au secours. Voilà, termine. Hein, c'est quoi ma potion? C'est quoi la popo? C'est une potion de soin nul, excellent. Hop là. Bien sûr, donc vous m'avez demandé une potion pourrie. Voilà, c'est exactement ce qu'il voulait. Et en plus, il me l'achète une blinde. Ah, t'es un bardiste. Ouais. Allez, on va parler bretzel saucisse. Hein. Avec l'état de ma souris, on va pas trop faire... Oh là 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 là. On va arrêter de faire le malin avec ma souris. Allez, hein. Bonne journée, ma gueule. Avec ma souris, on va rien faire. J'ai besoin de potions qui améliorent l'endurance. Ouais. J'ai une popo de force. Peut-être. Peut-être, c'est ce que tu veux. Qu'est-ce que... Qu'en penses-tu? Elle est excellente. Effectivement, je peux rien négocier avec, avec ma souris. Je peux... On va retourner sur des négociations de niveau 1 parce qu'on peut plus rien faire. T'acheter des trucs et des machins. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Mais j'ai bien peur que ce que je veux, tu vas me le vendre une fortune. Ça, j'en ai pas. Ah, c'est rigolo, ce machin. Ça, j'en ai plein. Il y a que ça que j'ai pas. Celui-là, à la limite, je pourrais le prendre. 1300. On va en prendre 10. Allez, 12, parce que 12, c'est bien. Ça va être chaud pour ma souris, hein. On va s'arrêter là. C'est déjà lourdement négocié. Au revoir, madame. J'ai déniché un parchemin renfermant un sort puissant et je voudrais l'essayer. Par contre, j'ai peur de manquer de pouvoir magique. Avez-vous une potion qui pourrait renforcer mes capacités? Bien sûr. Bougez pas, je vous trouve ça tout de suite. Voilà. La potion de fine étoile. Mince, c'est ici.
de fine étoile de chez Garnier. Ouais, ça fait bouteille de parfum. Je trouve ça rigolo. Garnier fait pas de parfum, je sais. Et du coup, c'est encore plus drôle. Attends, ça se trouve que vous venez de trouver des parfums que c'est Garnier. Enfin bref, un truc comme ça. J'ai besoin de Morora. Oui, bien sûr, bah oui. Bougez pas, je peux vous trouver ça. Voilà. Pouette. Ah, les pêcheurs. Pêcheresse. Pêcheuse. Comment tu dis pour une femme, du coup hein? Bon, merde, barrez-vous avec. Un de mes composants surchauffe toujours lors de mes expériences. Avez-vous une potion qui permettrait d'en baisser la température? Bien sûr. Une bien givrée, là, une frappée, là. On va redescendre en difficulté. Ah non, lui, ça va. Lui, c'est les gros... C'est les gros gueuletons, quoi. Ça passe tout seul. J'ai besoin d'une potion permettant de devenir plus petit et agile pour mieux voler des biens. Je préfère une potion simple comme bonjour. Casse-toi. Tu n'intéresses personne. Bon, on n'est pas trop mal en termes de but. Je sais pas trop où on doit aller. Bon, on n'a rien gagné. J'ai tout claqué chez le nain et l'arboriste. Bon, l'avantage, c'est qu'on a un peu de réserve de composants aussi. Hein, c'est ça qu'il faut se dire. Tac. Hein? Tac. Ah. Sur les petites feintes. Ah, on a gagné un point. Radical cheminée. Oui, ça on peut prendre aussi ça. On XPera un peu plus vite. On fera des potions. Salutations, collègues. Et il l'a vend 1500. Putain. Alors. Il faut la négocier en minimum une étoile. Je me fais tout annuler parce que je multiclique. C'est horrible. Ouais, c'est bon. Boum, chapitre 4 bouclé. Ça fait plaisir ou pas? Ah, tu veux une potion en 0 balles? Non, je vais la garder quand même. Je suis sûr que je vais tomber sur un taré un jour qui va me l'acheter. Bonne journée, mon gars. Au revoir. Bisous. Qu'est-ce que ça raconte là-dedans? Paf, on passe au 4. 4, on a déjà fait atteindre le niveau de popularité 6. Ouais, créer une potion avec 4 effets différents. Oh. Créer une œuvre noire, recueillir un gros livre d'expérience sur la carte alchimique. Je vois même pas c'est quoi un gros livre d'expé sur la carte alchimique. Créer une potion de charme, de ralentissement, de furie, de vision magique. Ok, ouais, c'est les potions qui sont plus loin. C'est à mon avis, c'est celle qu'il faut aller chercher, c'est les plus loin, c'est les niveaux 4. Je veux charger mon bâton de magie de gel. Avez-vous une potion? Ah oui, bien sûr, bougez pas. Hein. Voilà, on met ça dans nos bagnoles. Vous avez pas besoin de savoir ce que c'est une bagnole. Allez, les griffons, allez, les hydres, allez, les diables, hein, allez, les trucs à tentacules. Hein. Bonne journée, ma gueule. Ça va, ma porte reste bloquée. Comment rentrer chez moi maintenant? Vous n'auriez pas une solution? Alors si, mais elle risque d'être... Ah bah non, j'ai pas de solution. Bah et non, désolé madame. Bien le bonjour à l'alchimiste, ça vous dirait d'avoir de beaux champignons, sinon j'aurais besoin d'une potion. Vous pouvez bien l'aider. Certains champignons préfèrent pousser dans des grottes, j'en connais quelques-unes qui en abritent. Mais il fait tellement noir qu'on y voit goutte. Et puis porter une torche pour cueillir les champignons, tu m'en as déjà réclamé, mais vas-y. Prends une spéciale étoile de Mario. Voilà, c'est mon cadeau, ma gueule. Montre-moi ce que t'as en magasin. Poison, j'ai ce qu'il faut. Oh, ça a l'air rigolo, ça. Attends, à 17. Ça coûte vraiment très cher si je te les prends toutes. Un peu. Hein. Ah ouais, ça j'aime bien aussi. Alors, prends le bison 12. Ouais. On va en prendre un peu moins. Hein. 6. Et 6. Ça j'en ai plus, ça coûte une fortune. Ça j'en ai, non? Oui, j'en ai plein. Après je pourrais leur vendre du surcomposant. Allez, bulbe, faut vraiment que je leur achète un, je pourrais faire une potion de feu. Sans ça je peux même pas.
Qu'est-ce qu'en augmentation que je possède en grande quantité? Rien du tout. Tu m'embêtes un peu, le vieux, hein. Non, ça c'est trop risqué, oui. On va parler montagne, mer, forêt. Et ta mère est une bonne grosse montagne, as-tu vu sa forêt? Voilà, bon, des bisous, ma gueule. Retour, au revoir. Terminer le dialogue. Un point de talent, bougez pas, j'arrive. Tac. J'ai besoin d'une potion qui m'aiderait à grimper au sommet d'une haute falaise escarpée. Je raffole de cet ingrédient le champignon mage. Je paierai plus cher pour une potion faite au moins à moitié de champignon mage. Je sais même pas c'est lequel, le champignon mage, mec. Ok, c'est bon, je l'ai. Champi-mage, et tu veux un truc qui te permet d'escalader. Champi-mage, escalader. Célérité. Force. Ah, ça, c'est plutôt vers le bas. Dextérité. Si tu veux un truc avec du champi-mage, c'est que ça, c'est une potion que tu veux, elle est par là. Ça qui m'étonne. Ça m'étonne beaucoup ce que tu me demandes. J'ai envie de voir ce qu'il y a à travers ça. Moi ça me paraît bizarre parce que je t'aurais filé plutôt une potion genre force, célérité. Plutôt un truc comme ça, genre... Ah, dext. Ouais non, je sais pas... C'est bizarre ce que tu me demandes. Je vous donne une potion faite au moins moitié de champignons mage. Bah oui, mais bon, gros, tu demandes des trucs perchés, quoi. De droguer en phase terminale aussi. On a compris que t'aimais les champignons. Hein. J'entends dire que les charançons sont capables de dévorer toute notre réserve de houblon. Je dois les éradiquer avec quelque chose de toxique. Je paierai un supplément si la potion ne contient pas cet ingrédient porte à soufre. Oui, oui, t'inquiète. Il n'y en a pas dedans. Champignons puants. Concocte. Envoie. Allez. S'emballer. Il a plu ces derniers jours et je n'ai pas sorti à temps le bois de chauffage. En conséquence, le bois est humide et ne brûle pas. Vous avez une potion qui pourrait m'aider. La qualité de la potion m'importe au plus haut point. Je vous paierai comme il se doit. Alors moi, je veux bien te filer de quoi cramer, mais... est-ce que j'ai stocké ce qu'il faut? J'ai ce qu'il faut, monsieur. Ouf. Avec ça, monsieur, si vous la débouchez trop près de vos narines, vos poils de nez prennent feu instantanément. Bonne journée, des bisous. Je vais chasser, il me faut une potion qui empêchera un sanglier blessé de m'échapper. Je paierai un supplément pour une potion avec cet ingrédient principal, banane velue. Son odeur est entêtante. Mais de la banane. Il y a une popo de force avec de la banane. Mange tes morts. Hein? C'est pas ce que tu veux? Ah, tu veux peut-être une potion de dexte en fait, plutôt. Genre de ça. D'où la banane velue. Ah, attendez. On peut peut-être lui faire ça. Quoi? C'est un poison que tu voudrais? Ah, ça serait un poison que tu voudrais. Ok, pourquoi pas. Vas-y, je suis preneur. Oh, un truc trop éclaté. Tac tac. Ouais, c'est pas mal, c'est mignon ça. Ouais, ouais, mais bon, on n'aura pas une 12 étoiles avec ça. Je cherche un truc un peu probable pour sortir une popale de qualité. Ah, un bout d'épine. Avec un bout d'épine, ça pourrait le faire. Avec un bout d'épine, ça déconne pas, parce qu'en fait, ça nous met assez loin pour qu'avec une dilution, on puisse sortir un petit. On va vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre là.
Non. Oui, bon, si, vas-y, bouge. Voilà. Avec ma souris, ça va être un enfer, on va la rater. Hein. Vous êtes prêts à la rater? Moi, je suis prêt. L'alignement me paraît pas mal, hein. Passionnant les dilutions. Hein. J'aime la dilution. Je crois que je suis déjà allé trop loin. J'irai pas plus vite. Pas avec une souris qui bug. J'aurais pas le 3, vas-y. Je suis dégueulasse. Bon bah tant pis. Hein. Boum. Terminé. Bon, je t'ai fait ton jus de banane là, casse pas les noix. Prends-moi ton jus de banane. Quoi? C'est pas ce que tu veux? Oh allez. Le mec déconne, hein. Il est chiant, hein. Qu'est-ce que tu veux du coup? Ah, vision qui empêchera un sanglier de m'échapper. Donc une popo de vitesse dans ces cas-là. J'ai plus que ça là, après je sais pas ce que tu veux. Bah casse-toi. Ah, c'est peut-être un. C'est peut-être une des nouvelles popos que j'ai pas. Ah ouais, d'accord. Hein? Ah, flûte! Un gros flûte, monsieur. Hein. Je pense qu'il est, il est temps d'aller découvrir les nouvelles recettes là. Faut qu'on se lance dans une création de potions. On nous indique que par là il y en a une. Moi je pense qu'on a un chemin derrière la bête. Ici ça a l'air d'être bien compliqué de passer. Je pense qu'il faut aller à gauche, 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 gauche comme des fous. Hein. Ingrédients. Pour aller à gauche, on a ça à l'infini. Alors je vais pas me gêner, on va en broyer des tonnes. On va se faire du givré, hein. On va y aller. Hein. On va peut-être pas y aller comme ça. Peut-être que je trouve une alternative, un gauche classique. Un gauche classique, un classique de gauche. Alors un espèce de socialiste si jamais on a ça. Ah, ça passe pas mal ça. Ah bah voilà. Un roulé-boulette. Voilà. On se reprend une grenade comme ça là. Une chelou. Voilà. On va commencer par se déplacer. On s'engrange un peu d'XP, on se fait plaisir. Très bien. Alors maintenant, on sait qu'on a quelque chose derrière ça, ici. Et est-ce qu'on a quelque chose qui monte et qui passe à travers dans les roches? Je pense que ça va être que dans les cailloux qui brillent. Ça, c'est dû à droite. Ça, c'est à gauche. Ça, c'est la drogue. Ok. Caillou qui grimpe, mais on se retrouverait dedans. Est-ce qu'on voudrait pas monter un petit peu? Ouais, genre comme ça, voilà. Parfait, bah tu sais quoi, même comme ça tout court. Hop, donne-moi ça, j'aimerais voir au-dessus. Voilà, il y a un truc qui se passe là-dedans. Oh, attendez, ça m'a l'air impeccable, ça. Ce jeu, alchimiquement parlant, il est vraiment trop bien. Moi qui suis un rôliste, hein, je vous ai déjà cassé les pieds avec ça, je le trouve vraiment trop trop bien. Wow, excusez-moi, hein, c'est compliqué. Hein. Ouh. Ah. Alors, certes, mais alors là, du coup, on est un petit peu trop haut. Je pensais pas qu'il me téléporterait intégralement de l'autre côté. Il faut que je redescende, il me faudrait juste une racinette. Ouais, une racine à la con. Voilà.
Elle fait pas genre, hein, c'est du 3 ça, voilà merci. Oh là, le chipotage quoi. Oh, le jeu qui est passé en mode je chipote quoi. Je peux pas entendre parler. Potion forte de vision magique. Ouh, ça a l'air spatial. Ok. C'est potion parfaite. Non, c'est potion de vision magique parfaite, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Oh, c'est comme ça qu'on les fait, nos potions, je sais même plus. Hop là. Parfaite. He can see dead people, pourquoi pas. La couleur me dérange un peu. Sur un jaune chat. Ok. Et une couleur qui rappelle un peu plus l'espace, les étoiles, la drogue. Parfait. Une bouteille. Faudrait quelque chose d'un peu spatial. Quelque chose d'un peu spatial. Moi je pense que c'est effectivement le moment de mettre des bouteilles un peu chelou quoi. Oh ouais, regardez. Hey, en bouteille à parfum. À se pchiter dans l'œil. Petite bouteille à junkie, t'as vu? Il y a un projet. Petite étiquette, est-ce qu'on va avoir une petite étiquette un peu... C'est trop gros ça, hein. Genre un peu plus petit, genre voilà, un peu mystique même s'il faut... un petit carré, on n'a pas un petit... Un petit là, donnez-moi un petit machin. Oh, un petit machin comme ça, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Non, j'aime bien, je dois avouer, j'aime bien. Je valide. Enregistre. Termine. Ça, c'est débloqué. Ensuite. Où est-ce qu'on m'annonce qu'il y aurait autre chose que je n'aurais point vu? Je vois des fils ici qui descendent. Il y a l'air donc d'y avoir des choses derrière cela. Je pense qu'il faut descendre. Oula, oula, oula. Oui, j'en profite, je vais aller chercher un peu l'XP quotidien. Essayer de débloquer donc les nouvelles potions, entre guillemets, puisque techniquement on a accès à tout. Je pense pas que je m'éclate dedans, donc je la tente. Je pense que ça passe. On va vérifier tout de suite, hein, ça sert à rien de claquer plus d'ingrédients si on perd la potion. On perd pas la potion. Excellent. Ah tiens, c'était marrant ça. On aurait pu essayer un truc comme ça. Ça aurait été drôle. Mais on va plutôt se faire un truc comme ça, genre. Voilà. Et youp. Voilà. Je suis passé au-delà du caillou. Maintenant, je vais continuer à descendre parce que ça a l'air d'être derrière un épais paquet de roches. Ah, de roche de mort, de... En fait, on a fabriqué un truc qui tue... Qui fait des trucs encore plus bizarres que les potions qu'on veut fabriquer. Ouais, et bah là, oui. Tu m'intéresses énormément. Pas mal. Si on veut remonter dans ce coin-là, on a quelque chose hein, de mémoire, on a quelque chose qui y va. Oh, c'est pas mal ça, ça c'est rigolo aussi. C'est quoi ça? C'est le scarabée. Parce qu'en fait avec ce scarabe, ouais non bon, on va peut-être pas tenter ce gars-là. Ouais ça pourrait se faire. Évidemment ça pourrait se faire. Je vais juste voir si on a quelque chose qui s'imbrique bien dedans. Ça serait pas mal, malheureusement, ça nous permettra pas de faire une potion 3. Mais ça aurait été impeccable. Ça aurait été impeccable. Pareil, ça nous permettra pas de faire une potion 3. Dommage. Ou alors, il faudrait que je fasse un micro-ajustement. Alors que si je prends juste ça et je fais une dilution, on sera bon avec ça.
Voilà. Fou, j'ai arrêté de respirer pendant un instant. Bon là. Ah, potion forte de ralentissement. C'est peut-être d'ailleurs ce que voulait le gars. Alors une potion genre lente. Ah bah. Potion d'escargot, mon gars. J'ai pas plus lent, man. Genre bien longue l'étiquette, genre vraiment. Même l'étiquette, elle traîne, tu vois. C'est bien étalé en longueur, comme ça, bien sale, qui déborde un peu de tous les côtés. Ça me paraît impeccable. Il y a un beige plus clair, c'est marrant ça. Ah oui. Alors, je vais lui mettre un effet de rouge pour dire qu'il est ralenti. Ah oui, non, ça se fait. C'est trop, réinitialise. Ok. Garde le Nescargo comme ça, il est très bien. Alors c'est pas une potion forte, hein, c'est une potion de ralentissement parfaite évidemment. Hop là. Hop là. Enregistre, termine. Cool, bon voilà, pas trop mal. Ok, il faut qu'on trouve la furie, la charme. Alors furie, je pense qu'elle est à gauche, hein. Je pense qu'elle est par là. Elle doit être derrière ce machin là. Derrière tout ce bazar. Ah bah elle est là. Est-ce qu'on va chercher la furie? La furie, la furie... oui, on pourrait. On va se la chercher avec quoi? C'est ça la question. Ou on en a deux maintenant et on ira s'en chercher une au, genre, au jour suivant, c'est-à-dire au prochain épisode. Ça peut se faire aussi, hein. C'est très tentant d'y aller quand même. C'est très tentant d'y aller... Bon, on va visiter, on va voir. Peut-être on se trompe, hein, on sait pas. Hein. C'est pas. Tac. Ah ouais, il est parfait, il est parfait, il est parfait, mais je peux pas m'en servir parce que j'en consomme déjà beaucoup trop, donc je peux pas aller. Je peux pas aller le prendre sur d'autres potions. J'ai pas grand chose qui va à gauche. Enfin, de manière générale, c'est de manière générale, on sent que c'est un peu un jeu de gauche, quoi. Enfin, de droite. Bon, on va faire en tout cas un petit peu d'XP sur ce coup-là. Oui, on va s'en reprendre un. Ouais, en vrai, non, je devrais pas parce que j'en ai pas beaucoup non plus. Alors que ça, j'en ai pas mal. Je vais me renvoyer un truc comme ça. Je pense pas que je détruis ma potion avec ça. Ou alors, plutôt que ça, moins violent, une cloche feu. C'est moins violent. Ah, mais là, je me détruis aussi, là. Deux cloches feu. Allez, deux cloches feu. La popo, elle est là-dedans, c'est sûr. C'est sûr et j'ai rien pour y aller. Si j'ai un truc... Ah ouais, vas-y, j'en ai un pour y aller. Oh, ces cristaux vont me coûter les yeux de la tête. Ces potions seront infaisables. Parce que j'aurai pas le but de les faire, et ni pour cent. Boum. On n'a pas détruit notre potion, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, intéressant. Intéressant. On va repartir sur une hémoglépine. Oh là là, le mot voulait pas sortir. J'ai pas besoin de le broyer plus. Le plus dur, c'est que il va falloir que je sois sur la ligne. Et j'ai peur de ne pas y être. Je ne suis pas sur la ligne. Il va me falloir autre chose pour ajuster encore. Bah, je vais remettre une cloche feu. Hein. Tire là un peu.
C'est une potion qui coûte cher. Je suis pas sûr d'avoir les ingrédients qu'il fallait pour aller sortir ce genre de popo. Ok. Ça, c'est la furie. C'est... Ah non, c'est de la libido. Oh, c'est de la libido. Oh. Potion de libido parfaite. De sesque. Parfaite. Non, quand même pas. Alors, en bon français, S-E-S-Q-1. Voilà, vous avez compris? Non, on peut pas... Non, il faut... Ah, on peut vendre ça à des plus petits, donc on sait pas. Hein. Bloom. Oh, oui. La potion de Vaginax. La toute puissante. Ouais. Bah, ouais. T'as pas un logo d'anus? Ça aurait été beaucoup plus drôle. Anus très éclaté. Arrêtez avec vos mauvaises blagues. Vraiment, YouTube, voilà. Ça suffit. Vous êtes une communauté détestable, ne l'oubliez jamais. Après tout, dans le monde du gaming, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas des viewers de stream. Donc, vous êtes des gens du mal. Absolu. Ne l'oubliez jamais. Bien. Et bah, il nous reste... on a toujours Charme et Furie à trouver. Qu'on n'a pas trouvé. Et notre épisode fait déjà 30 minutes. Alors ça, on va couler la journée, ça va aller vite, vous inquiétez pas. Auriez-vous quelque chose de brillant, une sorte de lampe, une merveille, une merveilleuse et qui fascinerait des invités? Oui? Je vends ça à des paysans pour qu'ils trouvent des champignons. Donc oui, ça fascinera vos invités, c'est sûr. C'est certain, sa majesté, certain. Oui, non, on va rester, non. Vu l'état de ma souris aujourd'hui, hein. Hein, sa majesté, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oula, ça clique même pas. Il y a des fois, ça veut même pas cliquer. Tout va bien, alchimiste? Personne ne vous a jeté de mauvais sort? Rire. Je suis plutôt fatigué aujourd'hui. Un simple rire m'épuise. Vous savez, la sorcellerie, c'est un travail très difficile. Auriez-vous une potion pour régénérer mon mana? Oui, alors mon ou ma mana, d'ailleurs. D'après ce que j'ai pu observer... il n'y a pas de féminin de masculin défini pour ce mot réellement académique. Qui pourrait me jeter une malédiction? Maintenant. Je ne suis pas la seule sorcière de la région, ni la plus effrayante, vous pouvez me croire. T'es une vraie méchante de... Et Champi? Champi, c'est mon métier. Voilà. Eh, Champi, cousine, t'as vu? Aïe, malédiction, Champi, intoxication alimentaire, t'as vu, TMTC. Bonjour. J'ai besoin de votre aide. Le tavernier du coin m'a demandé d'inventer une bière spéciale pour les clients, particulièrement chahuteurs, qui boivent trop et ont l'alcool mauvais. Il souhaiterait pouvoir leur payer une tournée de boissons sédatives quelconques. Vous avez des idées? Ah, un truc qui endort! Putain, mec, t'es le premier à me demander une potion qui fait dormir des gens. Ah oui, attends. Ouais, trop bien. J'ai jamais fait de potion de sommeil, monsieur, attends, t'inquiète, gros, on trouve, ça arrive, ma gueule, ça, c'est dans les bacs, comme on dit, chez nous, voilà, on s'en fait une petite comme ça, oula, voilà, on s'en fait une petite comme ça, ensuite, moi, je propose de s'en coller, voilà, tu t'en mets une comme ça, tu t'en colles une segro, ah oui, non, une segro derrière, ça passera pas, c'est trop, voilà, une autre comme ça, n'inquiétez pas, ça arrive, on va vous trouver ça. Hein. On a un truc, je crois, qui descend en biais, là, mais on consomme beaucoup de ça. Hein. On en consomme beaucoup. Hein. C'est bien, il suffit de faire des ingrédients à base... Enfin, de faire des potions à base d'ingrédients très très simples. C'est aussi pas mal. Hein. Ah, on peut se mettre une galipette dorée. Mais je crois qu'elle est déjà enregistrée dans... au moins une ou deux potions. Ah, voilà, ça c'est pas mal. Ah, ça c'est drôle. Ça peut être drôle. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc, on va continuer à pousser avec de la petite racinette tranquillou. Plouf. Et à partir de là, on a dit, on se fait des blagounettes. Alors, soit on s'en fait deux comme ça, soit on se fait de la calipette dorée comme ça. Sinon, on peut se faire un mix des deux. Hein. On a des deux.
On a les deux, on peut se faire un petit mix des deux. On se met ça. Into ça. Et d'ailleurs, into ça, tout court. Hein. Normalement, je peux pile avoir la perfect popo dessus. Normalement. Pas falloir trembler, hein. C'est parti. On voyage. On voyage. Je suis un sorcier, Harry. Boum. J'ai encore fait cette potion sans l'enregistrer, c'est vraiment ma passion. Hein. Bon bah, monsieur... c'est ma potion. C'est ma passion. C'est visiblement ma grosse passion. J'ai validé une potion de niveau 5. Hein? A créé une potion... Ah oui, je suis allé trop loin. Ok. Je vais aller valider un objectif d'après, en fait. voici monsieur. On ne devrait peut-être pas laisser entrer des poivreaux dans la taverne. Et puis quoi, fermer boutique, ce sont eux qui boivent de l'alcool et rapportent de l'argent. Et puis ça fait partie du charme des tavernes. Je suis d'accord. Négocie. Par contre, c'est pas gratos monsieur. Les bretzels. On en parle des bretzels que vous servez? Vous servez pas de bretzels monsieur, c'est bien ça que... C'est bien de ça dont on parle. Coûte plus cher du coup. Bonjour alchimiste, vous pouvez reconstituer votre réserve d'herbe ou tenez, j'ai un service à vous demander, j'aurais besoin d'une de vos potions. Certains ingrédients sont extrêmement épineux, difficile de les cueillir à main nue. En outre, je dois trouver, grimper à travers des buissons épineux pour trouver de nouvelles plantes. Vous n'auriez pas une potion qui me protégera des épines et des ronces? Si vous m'en concoctiez une, je pourrais vous rapporter une grande variété d'ingrédients. Alors certes, mais toujours à prix d'or, connasse. Mais oui, tiens, prends ce bon gros baume d'armure solide. J'aurais dû donner des noms drôles aux potions, j'avoue, j'ai été très sérieux. Mais ça me démange quand même beaucoup de leur donner des noms débiles. Qu'est-ce qu'on peut aller se négocier? Rien du tout. Hop. Ah, des herbes vendues une couille. Quel plaisir. Quel plaisir. Au revoir, madame. Salut, dites, il y a un poisson fou dans la région, tous les pêcheurs le connaissent, dès qu'il mord un hameçon, il s'affole et nage comme un dératé, il casse toutes les lignes. Je voudrais tremper mon appât dans une potion qui pourrait le ralentir, aidez-moi. Boum. Pourquoi ne pas simplement pêcher des poissons ordinaires? Vraie question. C'est barbant, on reste assis à glandouiller devant sa canne à pêche, on chasse les moustiques. Moi je veux traquer et pêcher des poissons extraordinaires. Chacun nécessite une approche unique et un appât spécial. Seul un pêcheur expérimenté peut les attraper. Sans compter qu'il rapporte plus. Bien d'accord. Bien d'accord avec ce monsieur. Dragon, légende. Vous connaissez Donjons et Dragons? C'est bien Donjons et Dragons. Avec les accents qui vont bien. Bisous bisous! Pour une expérience, je dois insuffler de la magie dans un composant. Vous vendez des potions de mana, il me semble. Oui, tout à fait, monsieur. Je vous sors ça tout de suite, ne bougez pas. Je vais en préparer même deux, comme ça il y en aura une pour votre collègue derrière si jamais elle en a besoin. Voilà, bah, merci, monsieur. Petite négociation, alors dites-moi, on travaille sur les champignons, la toxicité des potions en ce moment, parce que je connais un de mes clients qui a des problèmes de toxicité. Au revoir, monsieur, bonne journée, des bisous. Mon bâton n'a presque plus aucun pouvoir d'enchantement. J'ai besoin d'une potion capable de le restaurer. Voici. Voilà. Sinon, ça baisse la magie. Salut! Je vais être aussi rapide qu'une tortue. C'est vrai, les tortues sont connues pour leur vitesse. J'ai même une bouteille en forme de tortue. Ah bah non! Ce que tu veux, c'est une célérité. Ah, c'est une célérité 2? Ah, oh, elle est une médiocre. Tiens, c'est négocié. Ouais, t'es dur en négoce. Ça passe. Ça a été la plus simple à négocier. Je dis qu'elle est dure en négoce, c'était la plus simple à négocier. Et ben, je vous remercie bien YouTube, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour PotionCraft. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des idées, des suggestions, des trucs, des machins, n'hésitez pas à me tenir au courant. Je vous remercie, c'était Knarfank et je vous dis à la prochaine, ciao.